On a température moyenne de entre 16 et 21. Si on descend en dessous de 16, c'est que c'est pas logique. Comment je vais commencer par quoi? Donc je vais commencer l'enquête, l'équipe, et n'hésitez pas à tapoter. Et si vous pouvez aussi m'aider pour les objectifs, ça permet d'acheter plus de matériel derrière et vous faire beaucoup plus d'enquêtes. Si vous pouvez, c'est sympa. Merci à tous. Allez, je commence. Bonsoir. Je me présente. Je suis en compagnie de Jérôme, Thomas et Zane du documentaire. Nous ne sommes pas là pour vous déranger ni vous embêter. Nous ne sommes là que pour vous poser des questions et avoir des réponses. Nous avons à notre disposition des appareils qui vous permettront de nous donner des réponses, comme le pod, si vous vous approchez. Voilà, comme celui-ci. Et d'autres appareils avec des lumières aussi. Si vous vous en approchez. Putain, j'ai un frisson d'un coup. D'entrée, un truc de fou. On pourrait obtenir des réponses grâce à ces appareils. Donc n'hésitez pas à vous en approcher. Est-ce que vous êtes là dans cette pièce? Waouh, j'ai eu un truc. Ça m'a coupé le son. Ouais, ça me l'a coupé, ça me l'a remis, ça fait. Tu dois rendre des pauses aussi pour ce que tu es. Ça n'a pas été ce n'est pas, ça déjà arrivé. Est-ce que vous pouvez vous approcher des appareils, s'il vous plaît? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici dans cette pièce? Y a-t-il une entité dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez allumer les lumières des petits appareils? Allez-y. Êtes-vous décédé dans ces lieux pendant la guerre? J'entends parler. Non? Ouais, c'est peut-être dehors, ouais. Le pod, il s'allume. Ouais. Le pod s'allume. Allez-y, approchez-vous-en de l'appareil. Allumez les lumières, s'il vous plaît. Qui c'est qui a mis la sonnerie? C'est pas moi, c'est sur ton téléphone. Attendez, je. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Allumez les appareils. Celui-là. Ouais. Éteignez les lumières, s'il vous plaît. J'ai un frisson là. Attends, je vais essayer c'est de le poser à un endroit, mais tu sais qu'il puisse le voir dans le. Était. Ouais, mais ça fait une mauvaise qualité. Ça donne une mauvaise qualité. Est-ce que vous voyez correctement le K2, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien.
Est-ce possible d'avoir un prénom, s'il vous plaît? Éteignez les lumières. Merci. Est-ce que vous pouvez essayer de faire sonner l'autre appareil à côté, s'il vous plaît? Oui. Si oui, éteignez les lumières. Si vous avez la force, éteignez les lumières pour me dire oui. Merci. Truc de fou, hein. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec d'autres appareils? Si oui, éteignez les lumières. Si vous souhaitez, éteignez les lumières. Merci. Arrêtez les lumières, s'il vous plaît. Éloignez-vous un peu. Êtes-vous un militaire? Vache. Le tien aussi, ça fait bien. T'as un spirit box? On va essayer de voir. Je vais utiliser un appareil qui s'appelle une spirit box. Et cet appareil permettra à vous de pouvoir placer des mots dedans. Je vais la sortir un peu. Par contre, je peux vous demander quelque chose? Oui. Quel appareil est à qui? Celui-là, là, il est à qui? Le cadeau. Ouais. Le tien? Et celui-là, là-bas. Et celui-là, c'est le tien. Bonsoir. Ça marche pas. Bonsoir. Bonsoir. Putain, les frissons, je passais toi pareil. Correctement, la spirit box. Philippe. Vous êtes combien dans ce lieu? Le cadeau. Pouvez-vous nous dire à combien êtes-vous dans ces lieux? Dans l'appareil, s'il vous plaît. Deux, j'ai entendu deux, ouais. Moi, j'ai entendu Lily. Vous êtes deux? Vous êtes deux dans cette pièce? Si oui, allumez les lumières. J'ai essayé de l'enlever, voir comme ça. Est-ce que vous êtes deux dans cette pièce, s'il vous plaît? Pouvez-vous me confirmer le chiffre 2? Ou avoir un prénom? Est-ce que quelqu'un vous dérange? Est-ce que quelqu'un vous dérange dans cette pièce? Oui. Annie, est-ce que tu es ici? Annie, est-ce que tu es encore ici dans ces lieux? Ouais, c'était quoi ce bruit? Est-ce que Annie est parmi nous, s'il vous plaît? Il y a une femme, ouais.
Est-ce que vous vous connaissez? C'est pas logique. Mon compte il est connecté, peut-être au 59. J'ai pas mon téléphone. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que... Ah si, c'est mon pseudo. Ouais, okay. C'est mon pseudo, Tony. Est-ce que vous pourriez nous donner un prénom, s'il vous plaît, dans l'appareil? Oui. Ouija? Non, je ne ferai pas de Ouija. J'ai entendu Ouija. Vous souhaitez parler avec la Ouija? Si oui, éteignez les lumières, s'il vous plaît. Direct. Oh, direct. Non, je ne jouerai pas avec la Ouija, désolé. Vous souhaitez parler avec la Ouija? Allumez les lumières. Ça dit Tony? Tony? Oui, c'est mon prénom. Est-ce que vous pouvez me faire sonner cet appareil, s'il vous plaît? Sauriez-vous me l'allumer? Ça dit quoi? Ouais, là, il y a la radio. 7. 7. 7. Est-ce que vous auriez la force de vous manifester en faisant un bruit? Je vais arrêter un peu l'appareil. Et nous allons essayer de vous de communiquer avec vous via les lumières. Est-ce que vous pouvez vous en approcher des appareils? Allumez les lumières, s'il vous plaît. Ah ben, je vais te dire un truc, moi aussi ça me les tue. Désolé pour le son, excusez-moi du son, désolé. Je démarre avec la Spacebox, donc j'ai pas encore l'habitude, donc désolé si ça vous a. J'éviterai de mettre l'enceinte après, ça vous fera moins de bruit dans les enceintes. Est-ce que vous pouvez vous approcher des appareils, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez passer au-dessus du pod? Est-ce que vous pouvez allumer le pod, s'il vous plaît? Si oui, éteignez les lumières. Merci. Vous serait-il possible de faire un bruit pour vous manifester? Dans un mur. Des clignotes pareil. On vous écoute. Ça a sifflé. C'est ce que je disais. Comment vous souhaitez-vous communiquer? Oh putain, j'ai plus de batterie. T'as plus de batterie? Oh la caméra, ouais, déjà. Bon, j'ai déjà plombé de batterie. Est-ce que quelqu'un vous dérange? Si oui, éteignez les lumières. Ouais, il a bugué sur les lumières. Regarde.
Pouvez-vous m'allumer le deuxième appareil là-bas, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ah, t'imagines, j'ai déjà prendu mon batterie, par exemple. Est-ce que vous pouvez m'allumer, m'éteindre les lumières qui sont sur le K2, le petit appareil là? Éteignez, éloignez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Arrêtez les lumières. Ouais, c'est bizarre. Moi, je ne veux pas vous mentir, plus ça va, plus je sens que c'est lourd. Ouais, c'est lourd, mais je ne savais pas communiquer. Souhaitez-vous que j'utilise les baguettes? Il n'a pas crié là-haut. Il a crié? Je pense qu'il a dû avoir les chocottes de quelque chose. Mais est-ce que c'est pas lui qui interfère? Il y a du monde là. Ouais, non, ouais, ouais. Attendez, attendez deux petites minutes, on monte à l'étage parce qu'il y a trop de bruit. C'était bougé. Ouais. Alors, oh. Donc nous allons essayer, Jérôme. Alors, nous allons essayer de voir à communiquer comme Jérôme a eu une porte. Il avait posé la question. En fait, le bâtiment, si vous préférez. En fait, Jérôme. Oh la vache, ouais, ici, putain, il n'y a pas de réseau. Putain, la vache. Ouais, le réseau il est pourri là ici. Ouais. Donc re tout le monde, désolé si ça bug. En fait il y a des portes, c'est pour moi ici. C'est là. Ouais. Ah oui, ouais, c'est là, ouais, que. Ouais. Bonsoir, est-ce que Ami est ici dans ces lieux? Pouvez-vous allumer la lumière qui est au sol? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, allumez la lumière au sol. Comment? J'ai vu quelque chose, ouais, j'ai pas entendu. Je sais pas si on va entendre quand même. Cinq. J'ai entendu cinq. Je suis pas sûr. Hein. 13. Ça correspond à une histoire de vidéo ou pas? Êtes-vous? Pouvez-vous nous donner un prénom? Oui. T'as la lumière. Merci pour la lumière. Alors pourquoi je vous reprends en voix off? Tout simplement, je n'ai aucune explication rationnelle à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Comme vous pouvez voir, j'ai le détecteur de mouvement qui s'enclenche. Vous le savez tous sur ma chaîne.
C'est pas un détecteur qui s'enclenche comme ça. Combien de fois on a galéré, même nous, en passant devant avec Laetitia, Nicolas et Patty, pour qu'il s'enclenche. On sait très bien que c'est pas un détecteur, voilà, qui va s'enclencher sur le moindre truc. Maintenant, je n'ai aucune explication vraiment rationnelle à vous donner. C'est pour ça que je vous reprends en voix off en studio. Voilà, je sais pas. J'essaye d'être rationnel, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, même en plein montage et en pleine analyse, je n'ai pas du tout à être rationnel. Voilà, il n'y avait pas, c'est pas un insecte, c'est pas une chauve-souris, c'est pas nous. Donc voilà, donc je sais pas quoi penser. À part vous dire que ben il y avait pas de raison qui s'enclenche. Voilà, tout simplement, voilà pourquoi je vous reprends en voix off. Ben écoutez, on va continuer. Je vais vous laisser continuer le visionnage et on se dit peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous, ciao. Est-ce que vous me connaissez? Merci pour la lumière. Ok. Le ok, il était net. On a bien entendu le ok. Est-ce que quelqu'un vous dérange dans cette pièce? Si oui. L'antenne, il n'y a plus d'antenne. Jérôme a enlevé l'antenne des gens. De nouveau, le détecteur. Attends. Jérôme? Oui, Jérôme est avec nous. Normalement, ouais, il ne devrait pas me détecter. C'est bizarre. Attendez, Jean, je vais essayer de regarder pour mes baguettes. Non, parce que... Mais il me semble, ouais, je crois que je les ai laissés en bas. Viens avec moi, Jean, parce que je ne sais plus où que c'est. Je ne sais plus quel endroit où que c'est. Toi, tu sais? Je reviens, je vais chercher les baguettes, je reviens. Reste là, Toto, reste là. Êtes-vous capable de m'éteindre ma lumière? Merci. Remettez les baguettes au milieu. Y a-t-il un militaire dans ces lieux? Si oui, à gauche, sinon à droite. Merci. Au milieu. Merci. Merci. Voulez-vous communiquer avec la Spirit Box? C'est lui à gauche, sinon à droite.
Oui. Baguette au centre. Baguette au centre, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous faire un bruit dans ces lieux? S'il vous plaît. Frappez dans un mur ou autre. Si oui, à gauche, sinon à droite. Merci. Baguette au centre. Baguette au centre, s'il vous plaît. Baguette au centre, s'il vous plaît. Pas de croisement, s'il vous plaît. Merci. Êtes-vous des anciens militaires décédés dans ces lieux, s'il vous plaît? Si oui, baguette à gauche. Si non, baguette à droite. Merci. Baguette au centre. Merci. Êtes-vous un soldat allemand? Si oui, à gauche, sinon à droite. Non. Merci. Baguette au centre. Êtes-vous un soldat américain? Si oui, à gauche, sinon à droite. Non. Baguette au centre. S'il vous plaît. Êtes-vous un soldat français? Si oui, à gauche, sinon à droite. Soldat français, oui. Baguette au centre. Baguette au centre, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on arrête avec les baguettes? Si oui, à gauche, sinon à droite. Non, direct. Baguette au centre. Est-ce que Roland vous dérange? Si oui, à gauche, sinon à droite. Non, il ne vous dérange pas. Merci, baguette au centre. Est-ce que Jérôme vous dérange? Si oui, à gauche, sinon à droite. Merci, baguette au centre, s'il vous plaît. Est-ce que moi je vous dérange? Si oui, à gauche, sinon à droite. Merci. Baguette au centre. Je vais arrêter avec les baguettes. Excuse-moi. Je vais arrêter les baguettes. Je vais essayer de parler avec vous via la spirit box. Êtes-vous d'accord? Si oui, à gauche, sinon à droite. Oui. Merci. Ouais. Donc, des réponses nettes. Thomas, tu peux revenir. Toto? Thomas? Tu peux revenir dans la pièce. Donc, est-ce que vous arriviez à voir avec les baguettes, s'il vous plaît? Apparemment, ils ont vu quelque chose au niveau de la cheminée, je crois. Ça bug? Ils ont vu quelque chose au niveau de la cheminée. C'est chelou, quand même. C'est bizarre, quand même, qu'ils fassent autant de délire. Il n'y a pas un truc, là, pour dire de le poser, de le caler? Un bout de pierre ou... Ouais, c'est chelou. Est-ce que vous voyez le K2, s'il vous plaît, dans les commentaires? Dites-moi en commentaire si vous voyez correctement le K2. C'est chelou, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein? Ça me paraît bizarre quand même que...
C'est chelou quand même. Non, regarde. Regarde, je mets même ma main devant. Ouais, c'est un truc de... Attends, je suis énergétique ou quoi? C'est bizarre ça le cadeau, moi qui me paraît bizarre, vraiment bizarre le cadeau qui n'est comme ça, j'ai jamais eu le cadeau qui vient de autant. C'est chelou, c'est pas logique, ouais. Est-ce qu'on voit là dans le... Est-ce que vous pouvez m'éteindre le cadeau, s'il vous plaît? Arrêtez le cadeau. Pouvez-vous m'arrêter les lumières, s'il vous plaît? J'arrête. C'est vous qui êtes près de l'appareil? Merci. Est-ce que vous pouvez communiquer dans l'appareil que vous entendez, ou allumer la lumière qui est au milieu, s'il vous plaît. Cela me permettrait de savoir que vous êtes bien dans cette pièce. Yeah, ouais, je me demande, ouais, franchement, je te jure, je suis en train de me poser la question là. Est-ce que vous pouvez... Putain, la vache. Remets-toi devant, Thomas. What the fuck? Mais t'as vu la distance? Ouais, non, non, c'est pas ça. C'est vrai, je te jure, ce soir, le live, il est vraiment chelou, là. Mon live, il est baisé, là, en fait. J'ai plus personne. Bonsoir à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à repartager, s'il vous plaît. On est en train de regarder quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le cadeau ne fait que se dé... que de bugger. Ah ouais, bah viens-moi le truc là, fous-le dehors. Ouais, fous-le dehors. Il y a des condos dedans. Vas-y, viens-moi le dehors, ce truc. Putain, ça nous fausse tout depuis tout à l'heure. Ça nous fausse tout depuis tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on l'avait pas, non? Non, ouais. Putain. Toute la... le live depuis tout à l'heure, il est baisé en fait. Bon, mais c'est un truc de... C'est... Mais non, il n'y a pas de savoir comment tu le mets ou pas, Thomas. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un truc à bout de bois là qu'on peut caler. Alors, je pense que ça méritait une explication. Vous allez voir, Thomas, un ami... Tony récupère un boîtier et en vérité ce boîtier c'est les boîtiers de, que vous avez dans certains lieux de secours. Il faut savoir que dans ces boîtiers il y a quand même des gros condensateurs énormes et ça qui produisent de l'électricité. Donc forcément les données là qui vont apparaître jusqu'à ce qu'on enlève totalement, que je récupère ce boîtier. Que je le mette dehors. Toutes les données sont fausses, hein. Totalement fausses. Hein. Ça fait que du coup, les cadeaux s'affolaient totalement.
On ne savait pas pourquoi. Il a fallu que Thomas récupère le boîtier. Il me dit, ouais, il y a de l'électronique dedans, je vois des broches ou je sais pas quoi. Et du coup, je prends le boîtier, je regarde, je dis, ouais, ben, c'est logique, il y a deux condensateurs dedans. Et les condensateurs, même si ils sont plus actifs, produisent encore, ils ont encore une faible électricité. Ce qui donne forcément un faux positif. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je repasse de nouveau en studio. Bah écoutez, encore bon visionnage. Peut-être à tout à l'heure, on va éviter les faux positifs cette fois. Allez, bisous. Y a un truc qui est chelou, c'est la première fois que je vois une enquête pareille que ça me fait ça. C'est, je te jure, regarde, ça. Regarde un truc, regarde. Je mets comme ça. Oui, mais là, t'es à côté. Regarde, là, il bouge pas. Hein. Est-ce que vous pouvez vous approcher du K2? Approchez-vous. Allez-y. Allumez les lumières, s'il vous plaît. Merci. Éteignez les lumières. On va l'arrêter, voir un peu. Allez, partagez un maximum, s'il vous plaît. Bah, ça veut parler, mais le problème, le K2 est plus loin que les téléphones. Il a au moins 4 mètres, ou voire 5 ou 6 mètres. Mais non, c'est la première fois que ça me fait ça, le K2. J'ai jamais eu ça. Éteins celui-là, parce que je me demande si ça fait pas des interférences à force. Regarde, dès que je le mets en haut, Attends. Ça clignote, je le mets à plat, ça clignote plus. T'es sérieux? 20%. Wouah, c'est un truc de fou, ça fait. Ouais, ça fait 2 heures, attends. Putain. 20%? 20%. Tiens, essaye de mettre dans le sac, mon gros, si tu veux. Si y a quelqu'un dans la pièce, allumez la lumière. Allumez la lumière. Ouais. Bah oui, ouais. Allumez l'appareil qui est au milieu de la pièce, s'il vous plaît. Chelou. Putain, putain, heureusement que je suis passé par là. Ouais, bah ouais, heureusement, ouais, mon gros. Merci. Il y a quelqu'un dans la pièce? Est-ce que Annie est dans cette pièce, s'il vous plaît? Ah putain. Tu veux le mien de câble? Non, c'est pas le câble, c'est le port de ma. C'est pas le câble, c'est ma truc qui. Est-ce que c'est un garçon? Ah, dans quel la pièce? garçon? Donc une fille, un bébé, une petite fille, un petit garçon? Tu vas trop vite, faut poser plus doucement, Thomas. C'est 40 bien. Secondes, 45 secondes. Non. Non, il n'y a rien en fait. Ils sont pas ici. Ah, l'étage. Le problème en haut, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Il y a pas un étage. Bah, mais tout en haut, on peut. Il y a du réseau? Comment, oui, dans la barre, vas-y. Ça capte bien? Oui, j'ai fait un live en direct et c'est là où j'ai acheté celui qui m'a attaqué, donc du pas. J'ai eu le câble qui a réagi à mort et mon téléphone qui a fait des trucs bizarres. Eh ben, on va monter tout en haut. Hein. Parce que ici, il n'y a rien. Là, ici, en bas, il n'y a rien. Il n'y a que dalle en bas. Si c'est tout en haut. Donc, t'imagines que ça m'a cartonné la caméra? C'est ça? C'est la première fois, quoi. C'est ça. J'ai fini au téléphone. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Donc, Anthony, re à ceux qui arrivent. Anthony me dit que tout en haut, au grenier, bah, je sais pas si c'est le grenier ou quoi. C'est une pièce en fait. C'est une grande pièce. Si, après, t'as un petit grenier, tout petit. Donc, on va monter à l'étage. On va monter à l'étage, les gens.
Et ça ira peut-être mieux parce que là, en bas, il n'y a rien. En fait. Ouais. À gauche, il y a personne à droite. Non, Thomas, là, c'est pas à toi de les faire, c'est à moi qu'elles obéissent, les baguettes. Ah ouais, là. C'est ça, c'est une sacrée soirée. Alors. Là, les baguettes, elles obéissent qu'à moi. Tu peux demander à n'importe qui, là, ils vont te le dire. Non, mais normalement, t'as des baguettes, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. C'est à moi qu'elles appartiennent, t'as pas... Les cartes, moi, c'est les cartes. Ouais. C'est comme le pendule. Ouais. C'est pas que je veux pas, Toto. C'est que si tu veux en faire, ouais, mais il faut que ça soit tes propres baguettes. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Appelez-moi Iron Man. C'est ma dalle. Attendez, écoute. Ok, ma puce, ça marche, mon cœur. Moi, c'est les heures, c'est maintenant. Ok, ma puce. Pourquoi ton machine, c'est pas un mot? Tu as vu ce qu'il est comme? Test Firebox s'allume? Non, c'est bon. Ça commence à partir en chiffre. C'est bien, c'est sûr. On va tous rentrer, on va tous essayer de céder. Ah oui, c'est pas ça, Thomas, c'est pas bon ça. Donc, tout le monde, ma puce, je t'envoie un message, moi, quand je rentre, quand je repars, ma puce. Est-ce que t'es d'accord? C'est bon, mon cœur? Envoie un message à Roro, ma puce. Et c'est encore reçu, Anto? C'est bien, en plus, j'ai une douleur au niveau des côtes. Ouais. Ouais. Et il y a un bon... Est-ce que tu es toujours sur le live pour me dire? Est-ce que tu veux que je t'envoie un message ou que je t'envoie un message quand je pars? Oh, j'ai la gorge sec là. Un truc de fou. J'ai 5G direct. J'ai pas toussé de la soirée. Est-ce que vous voyez correctement, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde voit correctement? Est-ce que tout le monde voit, s'il vous plaît? Oui, ok, ça marche. Ouais, nickel, ici, je suis en 5G, Jérôme. Ah, direct. T'as ton téléphone, Roro? Je vais envoyer un message à Matt. Oh putain, moi, ah, bah, ouais. Non, mais je suis plus de carrière. C'est pas vrai. C'est bon. Alors. Tu te prépares à faire quoi? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. J'avais dû envoyer ça. Donc, est-ce que c'est bon? Merci. Est-ce que tout le monde voit correctement? Marie-Manne, c'est normal. Ouais. Ouais. J'ai su le faire.
j'ai froid là. La fenêtre, les carreaux sont pas cassés là. J'ai senti un courant d'air moi. Ouais, c'est la fenêtre qui fait que. On vous veut aucun mal, rapprochez-vous s'il vous plaît. On vous veut aucun mal s'il vous plaît. Rapprochez-vous de nous. Nous ne sommes pas là pour vous faire de mal. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec les baguettes ? Oui. Oui. Allumez les lumières du K2 si vous souhaitez communiquer avec les baguettes. Allez-y, rallumez le K2. Ou allumez le pod. Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Chut. Agresse pas comme ça, c'est pas bon. Rallumez le K2, s'il vous plaît. Approchez-vous-en. Vous souhaitez que je communique avec vous, avec les baguettes ? Si oui, allumez les lumières. Ouais, comme si je venais tout seul. On va essayer, on va voir. On va voir hein, ce que les vont me dire, ce que ça va dire. Donc je vais essayer de faire une séance avec les baguettes et voir si j'obtiens plus de réponses. Peu de lumière, ça serait nickel, gros. On va essayer de mettre. On va voir. J'aurai peut-être des réponses en même temps que des baguettes. Bonsoir. Je vais vous poser des questions via les baguettes. Pour me répondre, oui à gauche, non à droite. Êtes-vous dans cette pièce ? Si oui, à gauche, sinon à droite. Merci. Baguette au centre. Pouvez-vous communiquer dans l'appareil qui est à ma droite ? Si oui, à gauche, sinon à droite. Oui. Baguette au centre. Au centre, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un prénom, s'il vous plaît ? Bonjour, je vais conclure cet épisode numéro 6. Donc, c'était la troisième enquête que je faisais avec Tony. Donc, j'en ai fait deux sur le pensionnat à l'enseignement religieux. Donc, une en équipe avec les clés du mystère. Et là, c'était la troisième enquête que je faisais avec Tony. Alors, il y a eu plein de trucs. Il y a eu beaucoup de faux positifs. Donc, moi, je... Style le boîtier, quand il met le K2 dans le boîtier, voilà, j'ai pas compris pourquoi il a pas vérifié le boîtier.
Donc pour moi, ça c'est un manque de professionnalisme, de pas vérifier qu'il y ait de l'électronique ou des condensateurs dans un boîtier, surtout qu'ils touchent un peu à l'électronique, donc ils le savaient impératif que le cadeau allait réagir dessus. Il y a eu aussi son ami, j'ai rien contre lui, hein, qui bougeait dans tous les sens toute la soirée. D'ailleurs, c'est pour ça que d'habitude, j'ai des montages beaucoup, beaucoup plus longs. Là, j'ai tout coupé. Voilà. Donc, ça fait que, du coup, montage, rikiki, taoui. Voilà. Je pense que les positifs qu'on peut mettre au quai, c'est les baguettes. Le début avec les K2, quand ils sont pas dans les boîtiers, que les deux K2 sont au niveau des cheminées, ou un au niveau de la cheminée, un par terre seul, quand il y a juste à côté du pod. On peut mettre le détecteur de mouvement en positif, parce qu'il n'y a rien. Tony et Jérôme de CP Paranormal sont juste à côté de moi. L'ami de Tony, lui, il est dans une autre pièce, hein, ou très loin de nous. Donc voilà. J'ai des PVE d'un autre monde, d'une qualité, franchement, hormis un où j'ai un peu de mal à comprendre, je crois qu'il est sur la fin. Voilà, je vous ai mis voix masculine parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça dit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette soirée un peu bizarroïde. Si je me retrouve en début de vidéo où j'ai toutes mes batteries, les deux batteries caméra qui s'accrochent vraiment directement à la caméra, qui sont vides, qui se vident à une vitesse extraordinaire, jusqu'à même mes batteries externes hors caméra qui se vident. Je sais pas pourquoi. Par contre, je peux vous dire que le soir, quand je suis rentré, que j'ai rallumé la caméra et les batteries, les batteries, toutes les batteries étaient pleines. Voilà, j'ai pas d'explication là-dessus. J'ai pas d'explication aussi rationnelle pourquoi le détecteur à trois reprises de mouvement s'allume. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de faux positifs, fait que c'est une enquête pas, je vais pas dire bâclée parce qu'elle n'a pas été bâclée, mais je vais dire avec beaucoup de manque d'inattention, de manque de professionnalisme, manque, on est des questions trop vite posées, on laisse pas le temps vraiment, ce temps à partie pour qu'il y ait vraiment ou des PVE ou vraiment des signes, c'est trop du tac au tac, voilà, je pense qu'il y a, mais je pense qu'on est pas mal d'équipes à être trop rapide sur les questions. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, je le vois même Nicolas, des clés du mystère et un peu comme ça. Là encore, Nico, il s'est un peu calmé sur ça. Il a encore beaucoup de travail à faire aussi, Nico, sur cette partie-là. D'ailleurs, on retrouvera l'équipe Les Clés du Mystère dans l'épisode numéro 6 qui va arriver là incessamment sous peu. Je pense que ce week-end, on sera en tournage. D'ailleurs, une équipe qui me manque énormément parce que voilà, c'est mon équipe, c'est ma petite sorcière ou mes deux petites sorcières. C'est mon poteau d'enfance qui me manque. Voilà, c'est mon équipe. Faut se dire qu'avec Nico et Letty, on se connaît depuis qu'on est gamin. Patty, je la connais depuis quelques temps maintenant. Et c'est vrai que c'est une équipe avec qui je m'entends bien. Voilà, on a nos moments de délire, nos moments de coup de gueule, comme dans toutes les équipes. Voilà, c'est des gens avec qui j'aime bien faire du paranormal. Et d'ailleurs, me tarde de les retrouver sur l'épisode numéro 7. C'est vrai que ça m'a permis, avec Tony, de voir autre chose. Voilà, on va pas mettre que du négatif.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais là, cet épisode numéro 6, c'est une vraie catastrophe pour ma part. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie à ceux qui ont visionné la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi de venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis très peu actif sur TikTok, à part pour monter sur des lives. Et certains lives, voilà. Je ne mettrai pas les liens de certaines personnes, voilà, parce que j'ai pas envie. Et puis parce que voilà, c'est personnel. Voilà, j'ai fait le tour de cet épisode numéro 6 qui m'a fatigué même en montage vidéo. Voilà, vivement que je retrouve mon équipe favorite, les clés du mystère. Hein. Épisode numéro 7 qui va arriver bien sûr bientôt et il y aura une petite surprise. Mais je même eux ne le sauront pas. Donc voilà. Voilà, c'est une petite surprise que j'ai envie de leur faire. J'ai envie de leur faire une surprise. Donc je leur en dirai pas non plus plus parce que je sais qu'ils vont voir forcément la vidéo. Voilà, ben écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse fortement, et on se dit, épisode numéro 7, il y a un documentaire aussi que je suis en train de préparer, qui est sur la maladie, la fibromyalgie, voilà, s'il y a des gens qui sont atteints de cette maladie, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook en MP, mais sur le compte, pas sur la page, parce que la page je peux pas vous répondre, je sais pas, j'ai un bug au niveau de la page, j'arrive pas à répondre aux gens. Sinon par mail, hein, c'est pas compliqué, zone du documentaire. @gmail.com, vous l'avez dans la description, vous pouvez me joindre facilement. Voilà, j'ai fait le tour, je vous embrasse, passez un bon week-end parce que il est dimanche et j'espère pour vous que vous avez changé l'heure, reposez-vous bien et on se dit à l'épisode numéro 7. Bisous, ciao ciao.